Pointe-Noire, capitale économique du Congo. 711 125 habitants. Le Congo, c'est 169 km de façade maritime. Bienvenue à Katna. La côte, selon chez nous ici, comment c'est très extraordinaire. C'est l'endroit là où tout le monde vient s'amuser et vient passer leur journée, comme on dit, les samedis et le dimanche, les jours du week-end. Donc vraiment, c'est très important pour nous, vraiment, pourquoi nous avons l'océan Atlantique. En tout cas, c'est très joli. Moi, je suis congolaise, je suis à la carte sur Molo. Je suis à la côte, je suis à Mboula, je suis à Maza, Pépé, je suis à Mboula, je suis à Mboula, je suis à Mboula, je suis à Mboula, à la côte. Place à bâtir reposer, que si je venais à la langue, les cousins, les tambours là, et puis ça là, maman, mon siège, la langue, ça là, la côte. Et les lotos, et au moi, moqué dans la côte, parce qu'ils ont lieu, mon co bien, il y a un se distraire un peu. Donc, en tout cas, ils ont essayé de mini, ils ont pondu la belle, dès que vous allez, vous avez un mot pondu la belle, vous avez un Brazzavillois, vous avez un carte. Artisanale ou industrielle, la pêche est une activité essentielle à Pointe-Noire. Grâce à son port, Pointe-Noire assure 90% des échanges commerciaux du Congo. La gare centrale de Pointe-Noire, dont l'architecture est en tout point identique à la gare de Deauville, en France. La ville se dote de nouvelles infrastructures afin d'accueillir ses nombreux visiteurs et répondre aux besoins d'une population en pleine croissance. Ville riche et dynamique, Pantin-Labelle, l'autre nom donné à Pointe-Noire, est en plein essor grâce à l'activité pétrolière offshore. Félix Tshikaya, premier député congolais. Les gorges de Diosso surplombent la baie de Luango, d'où furent embarqués près de 2 millions d'esclaves en direction des Amériques.